بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث 160 إمام الترمذي رحمة الله عليه رابوتي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قتادة رحمة الله عليه رابوتي في سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam si content ad-dubba. Alors ad-dubba dal ba alif hamza baina shadda, c'est un légume qui normalement il pas pousse le ban pied mais il vient dans man la liane. Généralement c'est une famille de ban légumes, on appelle ça ban cucurbitacé. Dans Maurice nous connait comme calbas ou soit giromon. Ou soit n'importe qui ban goud, comme nous connaît ban goud, ban qui pareil comme un calbas, et na potiron par exemple, courgette. Donc, et na différents du monde traduit ça mot là, dubba, différentes façons. Peut-être dépendant de ce qui je te gagner dans votre pays. Alors, ce qui tient là devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il dit content là exactement, peut-être le plus difficile pour nous dire. Donc, nous comprenons que dubba, c'est il est dans la famille de saban légumes qu'on appelle ziromo, calbas, ainsi de suite. Nous comprenons qui a été légume l'été. Alors, il dit que Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si content à Dubba. Donc là, nous trouvons une affaire, c'est que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam content à une affaire, nous ici, nous faisons des efforts, nous mangeons les, nous comptons les. Et Nadimoun, par exemple, il n'est pas content ça. Il n'est pas content de manger calbas, il n'est pas content de manger ziromo. Alors là, qui nous apprend que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est content, donc là, il y a quelque chose pour qu'il dépasse ça, nous pas content là. Nous avons goût, nous parler, tout ça là. Il y a quelque chose qui saute dans les cœurs. L'amour pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bien dépasse ça. Donc ça dit là, un vrai achik, jamais de sur la vie encore, il peut dire, ni les autres dit ni lui-même, qu'il n'est pas content ça. Comment les cas dire, il n'est pas content ça quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam content ça. Alors Anas radiyallahu anhu continue fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu wa lanzu jimon fina men manger fin don li ou soit ti dans une invitation l'ing invitation li n'aller pour manger fa ja'altu atatabba'uhu fa ad'uhu bayna yadayhi. Alors moi Anas dit moi mofin rod dans sa manger qu'il donnait là rod ban but si pas calbas ou soit ziromon qui tient là ça dubba là. Au fin, route sa man boutla, au fin, présente ça devant lui. Parce qu'il me connaît, hein, comme elle dit, l'imam a'alamu annahu yuhibbuhu. Parce qu'il me connaît, qu'il est content, ça, quelque chose là. Alors, lui, qu'il est fin faire. Donc, Anas, radiyallahu anhu, lui, comment dire, serviteur de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans le khidmat là, lui. Alors, il y a une invitation, lui, dans l'ensemble. Alors, lui, qu'il fait, lui, route sa man bout dubba là, lui, met ça devant Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les manger. Alors là, nous trouvons, encore une fois, nous trouvons une nourriture. Hier, nous avons eu l'occasion de des olives, de l'huile d'olive. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de trouver une autre nourriture qui, quand nous avons eu, est bon pour la santé. Hein? Calbas, sirop, tout ça là. C'est quelque chose qui est très bon, la science même pour dire nous, pour diabète, cholestérol, avec ben, les autres problèmes encore. Et, il y a beaucoup de fibres, donc liées pour digestion. Donc il y a encore beaucoup ben, les autres fawaïd. Pour manger ça ban légumes là, elle est très bon pour la santé. Mais avant qu'il nous guette ça, nous guette qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si content mange ça. Alors, nous faisons des efforts, nous cuisons, si nous pas habitués cuit. Nous faisons des efforts, nous mangeons, si nous pas habitués manger. Peut-être façon qu'il nous cuit aussi, les faire qui en a dit bon, pas trop envie, mais seulement. Donc, nous sommes capables d'ajouter ben, quelque chose pour agrémenter. Nous trouvons, il y a des milliers de recettes, qui manière pour faire, qui. Nous faire lien de façon que nous sommes contents lui. Si vous pas content lui dans curry, alors vous capable content lui dans gâteau parce qu'il fait gâteau aussi avec ça, faire un plat qui doux, faire un quelque chose qui doux aussi, faire dessert aussi avec ça. Et na halwa d'ailleurs qui même fait avec ça. Alors prochain hadith
161 حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حفص ابن غياث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن أبيه قال donc حكيم ابن جابر garçon de Jabir lui rapporte depuis son papa Jabir رضي الله عنه donc Jabir ici c'est un parmi les Sahaba رضي الله عنهم. Alors souvent quand nous disons Jabir nous avons tendance pour penser qu'il c'est Jabir ibn Abdullah parce qu'il fait rapporte beaucoup hadith رضي الله عنه. Ici, c'est-à-dire à la fin hadith là, Imam al-Tirmidhi fait le point, il dit c'est Jabir ibn Tariq. Donc, t'allais nous lire. Donc, le Jabir ibn Tariq, رضي الله عنه, قال, il dit, دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم, au fin rendre compte, le prophète صلى الله عليه وسلم, ça vient de sur la case, فرأيت عنده دباء يقطع. Et me trouve côté lui et un dubba, sa légume là, calebasse, soit giromont, soit une goutte. Yukatta veut dire peut coupler bout de bout, petit bout. Pareil comment nous faisons aujourd'hui avec giromont, nous coupler petit. Il servit le mot qatta'a avec un shaddal au ta, dans sa deuxième forme. Qatta'a veut dire couper. Qatta'a veut dire coupe bien même, ça veut dire coupler petit bout. Fakultu, alors me fin demander, ma hada, qui était ça? قال الو رسول صلى الله عليه وسلم في نجيه نكثر به طعامنا سا نمت سا دانو مانجي pour faire nous manger vin beaucoup. Donc là nous comprend qui est un kari, possiblement kari la viande ou soit kari l'autre quelque chose, et là c'est ce qu'on appelle un gravy, un kari qui est dans la sauce, et tu peux mettre ça légumes là là-dedans pour faire les vin beaucoup. Pareil comme nous fait aujourd'hui, nous mettre calbas, nous mettre ziromont dans nos bancaries, nous mettre courgettes, tout ça là. Aujourd'hui, nous faisons les pas exactement pour faire les vignes beaucoup, parce qu'alhamdoulilah, nous sommes capables de choisir dans quelle présentation vous cuisez. Mais avant, tu peux faire les pour faire les pour, tu peux mettre ça là-dedans pour faire les vignes beaucoup, pour qui plus de monde capable de manger. Hein, c'est un petit peu, par exemple, quand nous guettons l'histoire, nous briani dans Maurice, briani que nous mangeons, nous avons du riz, nous avons la viande, nous avons pommes de terre. Quand nous allons dans les autres pays, nous guettons les autres briani, par exemple, l'Inde, Pakistan, tout ça là. Pena pomme de terre. Qui fait? Parce que quand tu viens de Maurice, du monde, tu peux cuire briani, c'est un capitaliste, c'est un, du monde qui a l'argent. Je tu peux cuire briani, alors briani, me dit, je dirais avec la viande, ça. Seulement, du monde qui t'y plie misère dans Maurice, alors, pour faire les vins beaucoup, parce que la viande coûte cher. Pour qu'il n'y ait pas besoin de sa quantité de la viande là, tu peux aller là, je t'y ajoute pomme de terre là-dedans. Ajoute pomme de terre pour faire les vins beaucoup. L'origine, pomme de terre dans briani, c'est pour faire les vins beaucoup. Aujourd'hui, même quand on a beaucoup la viande, nous comptons mettre pomme de terre parce qu'il est fini, vient l'habitude. Donc, ça principe-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient montrer nous. Ajoute quelque chose dans manger pour faire les vins plus beaucoup, pour plus beaucoup de monde capable de manger, les là, nous capables de partager. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous dans le hadith qui, même si besoin ajoute de l'eau dans nos caries, dans nos ladopes, dans nos bouillons, dans n'importe quelle affaire qu'il nous peut faire, ajoute de l'eau là-dedans, fais-le une plus claire, pas faire rien, mais seulement partager. Donne un tigine aux voisins. Pas pour gagner assez, ajoute de l'eau, fais-le une beaucoup, là où donne un tigine. Ça, principe que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous. Donc, fais-le une beaucoup, là, nous capables de partager. Et nous connaît Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, quand ça pouvait une beaucoup, qu'il pouvait faire avec ça. Il pouvait faire tout le monde manger, il pouvait donner mon ashab ou soufa, il pouvait finir tout. Quand il y a le dormi, il n'y a rien qui restait. Il finit manger, il finit faire ça d'accord avec lui. Alors, Imam al-Tirmidhi, donc, il dit quelque chose concernant sa hadith-là. قال أبو عيسى, أبو عيسى, un parmi les narrateurs, وجابر هذا, ça Jabir-là, هو جابر ابن طارق. C'est Jabir ibn Tariq, parce qu'il fait tout le temps quand nous tenons Jabir, et une fois dans hadith, ou soit dans la littérature islamique, une petite parenthèse nous ouvert, et une fois nous dire un thème, ou soit un nom, nous pas dire non rien plus que ça, parce qu'il nous assume que c'est tel djimoun, tellement ça djimoun là, il est renommé. Par exemple, quand nous dit Anas, nous connaissons Anas bin Malik, radiyallahu anhu. Quand nous dit Al-Shaykhan, Rawahu Al-Shaykhan, des sheikhs rapportent ça. Alors nous connaissons Al-Bukhari ou Al-Muslim, par exemple. Donc quand nous habitons dire Jabir, nous connaissons ou soit Jabir ibn Abdullah, ou soit Jabir ibn Samura. Ici, c'est un qui appelle Jabir ibn Tariq, un sahabi, radiyallahu anhu. Et il dit, et Jimun dit, Ibn Abi Tariq. Ou soit il dit, Ibn Abi Tariq.
وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est un monsieur parmi les sahaba rasulullah صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد et nous par contre depuis lui excepté sa un hadith là donc auprès de ban muhaddithin auprès d'imam at-tirmidhi rahmatullah alayh sa sahabi là li fin rapport un seul hadith wa abu khalid ismuhu sa'ad donc li fin précision le un l'autre abu khalid son nom c'est sa'ad ça pour ban muhaddithin précision pour autres. Alors, il y a ban les autres muhaddithin qui viennent dire qu'ils ont gagné un deuxième riwayat depuis Jabir ibn Tariq radiyallahu anhu, mais Imam al-Tirmidhi l'a gagné un seul. Alors, prochain hadith 162, haddathana Qutayba ibn Sa'id an Malik ibn Anas. Là, nous trouvons l'autre nom, comme on a habitué faire ressortir, Malik ibn Anas. C'est pas Anas bin Malik. Anas bin Malik, c'est le sahabi radiyallahu anhu. Malik bin Anas, c'est Imam Malik, deuxième parmi les grands mujtahidin. Alors, an Malik ibn Anas, an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Annahu sami'a Anas ibn Malik, yakul, donc, Abdullah ibn Abi Talha, ifintan Anas bin Malik, radiyallahu anhu jia. Donc ici, Anas bin Malik, c'est le sahabi, c'est lui qui dit dans khidmat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ان تاير خياط فيجا تاير لفين انفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم pour venir manger côté lui fin prépare manger lui vient inviter lui pour venir manger côté lui قال انس الو انس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام moi ici mon al manger ensemble avec رسول الله صلى الله عليه وسلم dans sa da'wat là. Donc là, nous pouvons voir un principe qui nous apprend dans Riyad al-Salihin, qui quand un djimoun est invité, il est capable d'amener un autre djimoun avec lui qui n'est pas dans parmi les invités, avec bien sûr permission, c'est un djimoun qui peut recevoir là, sans qu'il y fasse aucun problème, aucun, sans qu'il y offense lui, sans qu'il y trouve aucun problème là-dedans, capable de demander. Ici, donc, nous comprenons qu'Anas radiallahu anhu est dans khidmat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il finit ensemble avec lui. فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير alors il fait mettre devant Rasulullah صلى الله عليه وسلم du pain qui fait avec شعير comme on a fait trouver longuement dans plusieurs hadiths avant شعير c'est l'auge donc l'auge écrasée il fait du pain avec ça du pain donc nous aurait dit il est capable ça du pain qui nous peut manger là mais plus précisément quand nous guette façon qui ban arabe manger c'est une espèce un rôti un affaire qui plate qui appelle ça en même temps khubz du pain wa maraqan fihi dubba et finalement un curry maraq c'est un curry qui a la sauce le curry un bouillon qui capable la dub et a la sauce là-dedans et dans ça la sauce là et a dubba donc jiromon ou soit kalbas ou soit ben, les autres légumes qui pareil comme ça wa qadid et c'est un qadid qadid c'est la viande sec comme on nous connaît longtemps parce qu'il y a frigidaire où nous gagnons la viande congelée. Quand nous coupons des animaux, nous mangeons sur la chair de suite, frais. Si nous avons envie de garder, il est pour gâter. Nous pouvons mettre dans le freezer. À l'époque-là, parce qu'il y a un freezer frigidaire, alors qu'ils ont un petit peu faire, un petit peu pareil comme on nous fait avec poisson. Prends la viande là, coupe-la long, mettre du sel là-dedans, et là, mettre-la sec dans le soleil. Comme ça, nous pouvons préserver, il n'est pas pour gâter. Donc ça, appelle ça qadid. Donc c'est ça la viande là qui fait mettre devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa carri là, en même temps, tu mets dubba. قال Anas, Anas radiallahu anhu, dit, فرأيت النبي sallallahu alayhi wa sallam, يتتبع الدبا حوالي القصعة. Et là, on trouve Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pérodes, ban mousseau, dubba, kalba, ce soit ziromon, qui finit dans sa carri là, les pérodes ça, dans sa récipient là. Alors là, nous trouvons, donc, il y a un grand récipient que plusieurs djimoun peut manger. Il y a un curry, il y a la viande avec sur la sauce, avec ce dubba qui ne fait pas tout. Rasoul Salam qui peut faire. Et puis, avoir sur la main, il peut rôder ban mousso dubba. Donc là, nous comprenons, nous apprenons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire kul mimma yalik. Kul ma yalik. Mange ce qui vient devant toi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs djimoun qui peut manger. N'a pas avoir la main devant l'autre djimoun. Mange ce qui est devant moi. Surtout quand manger là, il est pareil. Mais là, Rasoul Salam montre nous qu'il nous a le droit de faire ça avec l'approbation dans les autres dimons sans qu'il ça fait les autres préjudices. Donc, il fin avoué sur la main, il fin route sa légume là. Donc, Anas dit, Falam Azal,
أحب الدباء من يوم إذ يتكي لجي ساسي لانغاز عاشق لجي ديبي سازولا زامي موفين عغت كونتان دباء كونتان مانز دباء مالين تروفي كي رسول صلى الله عليه وسلم لبي غد ساليجيم لا بو مانزي دونك لنكوني كي رسول صلى الله عليه وسلم كونتان مانز لجي ديبي سازولا موفين كونتان مانز لي ومو بارفين عغت كونتان مانز لي زامي ساسي réaction de Anas bin Malik radiyallahu anhu. Donc nous faisons doigt que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous connaissance, fait nous apprendre quelque chose qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam si content et lui fait qui nous mette ça dans nous la vie, qui lui fait qui nous vient un vrai achik, un jimoun qui content Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bien comme abizan et qui lui donne nous de nous risque de quelque chose qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam si content, un bon quelque chose li bénis-nous là-dedans et li fait qui nous rapprocher avec sunnat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.